Bien bonjour, je m'appelle Didier Leroy, donc j'ai 65 ans. J'ai passé toute ma carrière dans l'automobile. J'ai commencé par travailler chez Renault, où je suis resté pendant 16 ans, à différents postes, en commençant par la production, la qualité, la maintenance, l'ingénierie. Je suis ensuite parti chez Toyota pour démarrer l'usine de Toyota à Valenciennes. Et derrière cela, j'ai dirigé l'ensemble du business de Toyota en Europe. Et de 2015 à 2020, j'ai rejoint Toyota Japon, où j'ai été le numéro 2 de la société pour m'occuper du business de Toyota sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, je viens parler au Business Club ici sur la région lyonnaise, plus particulièrement pour partager avec les entrepreneurs locaux ma conviction qui est que si vous avez de l'énergie, de la passion, le fighting spirit, rien n'est impossible. Et on peut critiquer comme on veut la France, on a bien sûr un certain nombre de soucis, de difficultés, mais avec passion, énergie et fighting spirit, absolument rien n'est impossible. Dans une carrière, je dirais aussi longue maintenant, parce qu'elle commence à être relativement longue, naturellement il faut avoir un certain nombre de facteurs chance, il faut rencontrer un certain nombre de personnes qui effectivement vous inspirent sur le sujet, et puis ensuite je crois que le point fort c'est de faire confiance aux gens. Être capable d'apporter cette énergie, cette passion aux équipes qui leur donne envie de faire ce qu'ils considéraient comme étant jusqu'à présent impossible. Et il n'y a pas de secret, il n'y a pas de solution miracle, sinon on n'est pas un prestidigitateur. Mais à partir du moment où vous apportez, vous vous mettez au service des équipes, vous véritablement travaillez avec eux pour leur permettre de faire mieux, toujours mieux, avec cet esprit de challenge, je vous assure qu'il n'y a absolument rien d'impossible et on arrive à faire des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Moi, mon objectif dans mon travail au quotidien, c'est d'aider les gens avec qui je travaille à faire qu'ils soient capables de mettre en application tout ce qu'ils considèrent comme étant des améliorations importantes. Donc, très souvent, vous savez, dans les entreprises, les gens vous disent « je sais très bien pourquoi ça ne marche pas, il y a ça, mais je l'ai proposé 20 fois et puis finalement, personne ne veut l'appliquer. » Moi, je leur dis « Ok, vous l'avez fait 20 fois ?» Avec moi, faisons-le une 21e fois et puis vous allez voir, on va réussir ensemble. Donc, c'est justement permettre à chacune de ces personnes d'aller plus loin dans leur envie d'améliorer les choses, dans leur envie de faire progresser et donc de donner confiance, de faire que les personnes aient envie de se dire « Ben, avec lui, ok, on va essayer. » Et peut-être qu'effectivement, alors qu'on n'avait jamais réussi jusqu'à présent, on a peut-être une petite chance de réussir. Donc, leur apporter cette notion d'envie, cette notion de sens, donner du sens à ce qu'ils sont en train de faire, pour que quelque part, ils n'hésitent plus et ils aient envie de faire encore plus, mais pas plus simplement pour transpirer plus, courir plus vite, faire plus vite le travail. Faire plus parce qu'à partir de ce moment-là, on aura la fierté d'être dans une équipe gagnante. Je dirais que les gens me disent très souvent, mais à vous de vérifier auprès d'eux, ils disent très souvent, il reste très très abordable. Je dirais que c'est la moindre des choses pour moi, mais il semblerait que ce ne soit pas si courant. Très pratique parce que, effectivement, je n'essaye pas de me prendre la tête et de mettre la pression sur les gens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où on arrive à donner confiance aux gens, à partir du moment où on arrive à leur démontrer que, certes, nous sommes très exigeants vis-à-vis d'eux, mais l'objectif majeur que l'on a, c'est de les aider et de faire que quelque part, ils vont pouvoir faire mieux et plus facilement leur travail. À partir de ce moment-là, on arrive à obtenir des gens des choses que personne n'imagine. Vous savez, la France a été, à un moment donné, il y a encore 15 ou 20 ans, une grande nation de l'automobile. On produisait plus de 2,5 millions de voitures ici en France. L'année dernière, on est descendu à 1,3 million. Donc, on a besoin de reconstruire cette industrie française autour de l'automobile. Et je pense que les évolutions futures de l'automobile vont donner de vraies opportunités pour la France. Et dans notre cas, par exemple, nous, Toyota, décidé, il y a maintenant 20 ans, de construire une usine en France, quand tout le monde nous disait « c'est plus possible ». On s'est dit « c'est plus possible ». Avec les Français, avec les gens sur place, on va vous démontrer que vous avez tort. Vous avez tort de ne pas faire confiance à notre pays. Vous avez tort de ne pas faire confiance aux gens de notre pays. Ensemble, prenons le challenge et réussissons. Aujourd'hui, l'usine en France de Toyota est le plus gros producteur automobile sur le territoire depuis 7 ans consécutifs. Donc, c'est quand même quelque chose d'important et ça veut dire que la France est capable de réussir. Si nous avons vraiment la volonté, un, de nous remettre chacun en cause, et deux, de ne pas simplement se plaindre, mais de se dire « on remonte les manches et on y va tous ».
Et aujourd'hui, on a eu un très très bel invité, Didier Leroy, qui nous a exprimé de façon humaine et savante comment fédérer des équipes et comment créer du succès. Donc, merci à toute l'équipe du Union Run Business Club. Écoutez, elle était passionnante, enivrante, galvanisante, cette intervention. Et puis, elle a un goût particulier pour moi parce que, avant de travailler pour Coesio, j'ai travaillé pendant 19 ans chez Toyota. Donc, Didier Leroy a été mon patron, sans le savoir, pendant de nombreuses années. Donc, c'était particulier de le voir aujourd'hui aussi. Alors, comment ça se passe? Très simplement, quand nos participants arrivent, on leur remet un petit badge qui est logoté avec le club, avec leur nom, prénom et société, ce qui permet à tous les participants de pouvoir voir qui est présent. Mais pour aller plus loin, on a des badges de couleur logotés au club qui sont les membres du club, et puis des badges blancs pour les visiteurs ou invités nos membres qui viennent découvrir le club. Ensuite, comment ça se passe une fois que les participants ont fait l'apéritif de l'autre côté? On bascule ici dans la salle où ce sont des tables rondes de 8 à 10 personnes où on met donc en relation en fonction des vœux de table, parce que les participants, une semaine avant, reçoivent la liste de tous les participants. Et sur cette liste-là, il y a nom, prénom, fonction, domaine d'activité. Et ils choisissent eux-mêmes les sociétés avec qui ils déjeunent. Le but, c'est de ne pas perdre du temps et d'avoir à sa table des sociétés qu'on cible pour faire des affaires. Donc, il y a un petit système très simple de petits chevalets où on met le nom, prénom. Donc là, Didier Leroy, notre intervenant du jour, qui est donc mis comme à un mariage, hein, très simplement. Et puis le dessert se fait après l'entrée, le plat se fait de nouveau debout comme le dessert pour pouvoir réchanger de façon plus intimiste avec des personnes de ta table ou d'alors aller voir des sociétés qui n'étaient pas à sa table. Cool. Le Lyon Rhône Business Club, qui est un club de dirigeants et décideurs qu'on réunit de façon mensuelle. Le but, c'est tout simplement de mettre en relation des dirigeants et décideurs sur un tissu local. On fait 10 déjeuners par an, sauf juillet et août. C'est des formules uniquement midi. On commence à 11h45, on finit à 14h30. C'est cette formule qui est plutôt timée et qui plaît à nos dirigeants. Et le fonctionnement aujourd'hui est un peu différent sur ce déjeuner d'avril parce qu'on a fait venir nos voisins valentinois et grenoblois. Donc on a fait un déjeuner commun où on réunit ces trois clubs du réseau, parce que c'est un réseau national où il y a 35 clubs en France, où on réunit donc des dirigeants du monde de l'industrie, des donneurs d'ordre et une partie de prestataires de services. Cette partie de prestataires de services, le but, c'est tout simplement qu'elle puisse découvrir aussi le club, mais elle a un petit devoir qui est de faire découvrir le club à des industriels et des donneurs d'ordre pour que le club puisse dans le temps trouver une part de plus en plus importante et un équilibre entre acheteurs et vendeurs, si je puis dire. Aujourd'hui, on a un peu plus de 150 participants avec Didier Leroy, qui est le numéro 2 de Toyota Monde. Et on est ravis de retrouver tous nos membres une fois par mois. J'en suis ravie. L'objectif, en fait, parmi ce club, c'est de se rencontrer, de réaliser des relations business, de pouvoir créer du relationship, comme on dit en anglais. Puis, tout est bienveillance, tout est captation d'amour et d'amitié. J'ai beaucoup apprécié donc, l'intervention de Didier Leroy. Un discours cash et très, très marqué sur l'avenir, qui nous a présenté effectivement sa vision du management. C'était vraiment passionnant.